C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre complètement, mais on peut encourager, développer, permettre d'apporter des éléments de réponse à travers les politiques publiques qui vont être menées pour une alimentation durable. Donc, si on veut avoir des produits sains, bons dans nos assiettes, en 2049, il faut revoir notre propre alimentation. Et il faut consommer moins de viande et plus de légumineuses et plus de légumes. Et donc, il faut rééquilibrer. Et donc, on aura dans nos assiettes des produits, je l'espère, de qualité, parce qu'on aura transformé l'agriculture extensive en une agroécologie, c'est-à-dire en une agriculture qui prend en compte l'écologie. J'espère que les Français continueront de manger à la française, à la manière française, c'est-à-dire prendre le temps de manger, parce que c'est un moment de partage, évidemment, partage de nourriture, c'est du lien social, de l'alimentation, les repas en commun, mais j'espère aussi que l'autre partie de l'humanité pourra manger à sa faim. Et après, c'est le principal pour cette partie-là. Avant de manger à la française, ce qu'il faut, c'est d'ailleurs qu'ils puissent manger des aliments sains et en matière suffisante. Tout le débat aujourd'hui tourne sur est-ce qu'on va pouvoir demain mettre sur pied un nouveau procédé agricole qui corresponde à des productions et à des produits plus riches en matière nutritionnelle, par exemple. Et donc, je crois que c'est possible, bien sûr. Il faut toujours croire que le progrès est possible pour demain. Il faut tout faire pour cela, parce qu'il n'y a rien de pire que l'inégalité et les inégalités. Et la lutte contre les inégalités en matière d'alimentation, elle est fondamentale pour l'espèce humaine. Il y aurait des légumes en entrée, mais ce seraient des légumes qui seraient produits, on est à Dijon, qui seraient produits dans la périphérie dijonnaise et qui seraient différents suivant les saisons. Il y aurait bien évidemment ensuite ce que j'aime, hein, à savoir des pâtes, voilà. Il y aurait un plat de pâtes. Il y aurait toujours des fromages avec leur diversité. Et puis on terminerait par des fruits de saison, c'est-à-dire des pommes ou des cerises suivant les saisons.